Bonjour, ici Romain Armato, j'espère que ce message vous trouve en bonne santé. Aujourd'hui, je vais signer mon premier rachat locatif. Je vais être aussi accompagné par un invité de marque, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, Maxence Rigottier, qui lui aussi décide d'investir ici dans l'immobilier en Estonie. On va commencer par un petit footing matinal, il est 7h du matin. On va embrayer ensuite sur du travail pendant la matinée. Je vais mettre en ligne une vidéo de la semaine puisque je fais aussi du coaching. J'aide les agents immobiliers à faire plus de ventes et à gagner en liberté. On va ensuite à midi signer l'acquisition donc de ce bien locatif et ensuite on va rencontrer un entrepreneur qui va nous aider à meubler et aménager l'appartement qu'on vient d'acheter. Allez, on y va! De sortir de la maison, la vidéo de la semaine a bien été mise en ligne. Le jour J. Salut Romain. On vous embarque chez le notaire. Bienvenue ici, Maxence Rigottier en direct de Tallinn. Donc je vais vous faire rentrer dans les coulisses de mon premier investissement, toutes les étapes de A à Z. Ça vous permettra de savoir comment investir ici si vous le désirez. Donc je suis avec Romain Armato qui est en train de tenir cette caméra. Donc allez, c'est parti et surtout je vais vous dévoiler toutes les étapes pour que vous puissiez faire la même chose si un jour vous voulez investir ici à Tallinn. Allez, let's go! Salut, bonjour, ici Romain Armato, je suis consultant en marketing de l'immobilier, expatrié en Estonie depuis février 2017 grâce à tes précieux conseils. Et la chose intéressante, c'est qu'on vient tous les deux aujourd'hui d'investir dans le même bien immobilier, dans le même immeuble. Bravo à toi Max, franchement, bien joué. Ah, merci Romain. Quelles sont tes impressions à chaud ? Donc là, très très heureux, c'est mon premier bien immobilier et comme toute première fois, on s'en souvient, en tout cas je vais m'en souvenir pendant 10, 20, voire même 50 ans jusqu'à la fin de mes jours parce que c'est mon premier investissement immobilier, donc je suis très content et excité à la fois. Avant 30 ans, belle réussite, un accomplissement, c'est excellent. Est-ce que pour ceux qui regardent la vidéo, tu peux nous détailler quelles sont les étapes de A à Z? Ouais, par rapport, donc là on se trouve à Tallinn en Estonie, donc voilà, j'ai une petite phrase qui va certainement vous faire sourire. Visiter le lundi, signer le vendredi, donc c'est ce qui s'est passé pour mon cas en l'espace de quelques jours seulement. Donc comment ça s'est déroulé? Donc le lundi avec Romain, donc j'ai visité une dizaine d'appartements donc dans cet immeuble que l'on se trouve pour réaliser la vidéo. Sur cette dizaine de biens, il y avait un petit peu tous les types. Donc soit du 30 mètres carrés, 50 mètres carrés, meublé, non meublé. Et personnellement, donc j'ai opté pour un 31 mètres carrés qui était donc meublé. Donc quand je dis meublé, c'est vraiment la base, donc c'est-à-dire une cuisine, le four, le frigo, vraiment voilà, le minimum. Et le reste, je vais le rajouter pour accueillir le futur locataire de manière 5 étoiles. Donc je vais vous donner un petit peu les différents chiffres. Donc le lundi, voilà. Je prends ma décision et je vais vous donner pour quelles raisons j'ai pris la décision assez rapide d'acheter ce premier bien immobilier. Alors j'ai une société en Estonie. Pourquoi? Il y a 0% d'impôt sur les bénéfices. Donc quand on a une société, donc si vous investissez ici, faites-le au nom de votre société puisque au nom propre, vous avez 20% donc de taxes sur les revenus
personnel. Alors, vis-à-vis de ce bien immobilier, donc 31 mètres carrés, l'achat 52 000 euros. On rajoute à cela 312 euros de frais de notaire. Donc là, je ne vous cache pas qu'on a rigolé avec Romain parce qu'en France, c'est 8%. À peu près, ouais, globalement, donc ça aurait été quoi, plus de 4 000 euros. On aurait dû payer 4 000 euros, 4 100 euros pour l'achat de la même surface, du même prix. Absolument. Voilà, donc là, seulement 312 euros, donc 52 312 euros. Donc voilà, très content d'avoir des frais de notaire assez faibles. Donc c'est un nouvel immeuble, le logement est archi neuf. Ici, dans ce quartier, la location est aux alentours pour ce type de bien de 400 euros. Toutefois, pour la rentabilité, je suis parti du principe de 350 euros de loyer. Alors, pour quelle raison ? Soit si un locataire change et il y a un mois où il n'y a pas de locataire, s'il y a des quelconques frais que je n'ai pas prévus, donc j'ai toujours une vision pessimiste pour pouvoir calculer la rentabilité. Donc, 350 euros multipliés par 12 mois égale 4200 euros net de loyer. Donc 52 300 euros de frais. Donc je suis parti pour la rentabilité sur 60 000 euros. Pourquoi ? Parce que je vais acheter une télé, je vais acheter un canapé lit, je vais mettre vraiment l'appartement dans le mode 5 étoiles, donc accueillir le locataire avec une offre irrésistible où la personne en voyant l'appartement se dise waouh, je veux absolument être ici, je me sens bien. Et quand on se sent bien, bah, qu'est-ce qu'on fait ? On reste le plus longtemps possible parce qu'on a l'impression de faire une affaire. Donc faites toujours des offres irrésistibles à vos locataires et accueillez-les le mieux possible et vous allez toujours avoir des belles surprises. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Donc je me suis donné comme budget 7 700 euros. Donc je vais certainement être en dessous, mais pour la rentabilité, je suis parti de ce principe. Donc si on fait 4 200 divisé par 60 000 euros égale 0,07 fois 100 égale 7%. Donc, ce qui fait une rentabilité nette de 7% annuel. Et peut-être que pour vous, ce n'est pas énorme. C'est vrai, ce n'est pas non plus la rentabilité du siècle. Toutefois, c'est 100% neuf, c'est de la location fixe. En gros, il n'y a rien à faire. Donc, c'est vraiment ma priorité puisque moi, mon domaine d'expertise, c'est le business internet. Et ensuite, je souhaite placer, en l'occurrence, faire dans le futur d'autres acquisitions pour placer ce cash, une partie, dans l'immobilier. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire si vous avez un domaine d'expertise et que vous n'avez pas forcément envie de vous embêter. Là, en l'occurrence, je ne vais pas faire de la location saisonnière. Pareil, je n'ai pas forcément envie de m'embêter de la gestion. Et là, clairement, ça fait une rentabilité honnête et surtout sur les petites surfaces. Donc, ça, c'est juste potentiel. Je ne l'ai pas non plus calculé dans la rentabilité, mais logiquement, je me dis que dans 10 ans, ce bien, au lieu de valoir 52 000 euros, il vaudra peut-être 65 000, 70 000 euros. Et évidemment, c'est une simple supposition, mais pour avoir habité à Malte de 2012 à début 2018, j'ai pu voir l'immobilier grimper. Alors, à l'époque, je n'avais vraiment pas d'argent et surtout, zéro mindset d'investissement. Donc, du coup, je n'ai pas investi, mais je vois bien l'Estonie en tout cas par rapport à le potentiel qui est totalement sous-estimé, faire la même chose. Ah, mais c'est une approche judicieuse qu'adopte Maxence là, puisque comme je dis souvent, il vaut mieux avoir une bonne surprise qu'une mauvaise surprise. Voilà, là en l'occurrence, si ça augmente pas, on a nos 7% de rentable, et si ça augmente, c'est le bonus, la cerise sur le gâteau. Absolument. Donc ça, c'est cool. Donc vraiment très très simple. Je remercie aussi Romain parce que tu as bossé pour moi pour les transitions des emails, notamment au rendez-vous chez le notaire. Alors comment ça se passe chez le notaire ? Alors Romain vous glissera quelques images. Vous avez un contrat. Comme c'est en estonien, il faut prendre un traducteur. Donc généralement, c'est quelques dizaines d'euros. Et ensuite, vous validez. Donc s'il y a certaines choses qui ne vous vont pas, vous demandez des garanties. Nous, ce qu'on a demandé, on a demandé une garantie donc après l'acquisition du bien pendant quasiment 2 ans. Donc s'il y a un souci du style, il y a un problème de tuyauterie, il y a des fissures au mur, on est couvert. Donc c'est-à-dire qu'on va payer zéro. Donc voyez ça avec l'agent immobilier, voyez ça avec le promoteur et le notaire, que tout soit carré sur le contrat.
une fois signé, que ce soit vraiment gagnant-gagnant. Et ben, en l'occurrence, ici, ce que j'aime bien aussi, le mindset de l'Estonie, c'est le mindset du client. Hein. C'est vraiment pas la philosophie de t'arnaquer, entre guillemets. Et ben, voilà, à chaque fois, mettez par écrit, les écrits restent, les paroles s'envolent. Vous la connaissez, hein, cette citation. Et c'est encore plus vrai via de l'immobilier. Absolument. Donc, la transaction a été chapeautée par des professionnels. Il y a une garantie promoteur, comme tu viens de le dire. Au même type qu'en France, il pourrait y avoir une garantie décennale, par exemple, dans plusieurs cas. Et bien ici, on a une garantie de 2 ans. Et il faut savoir que, comme vous pouvez le voir ici, c'est neuf. Ça a été fait dans les règles de l'art. Et c'est encourageant pour la suite parce que, comme tu disais tout à l'heure, il suffit de mettre un locataire et puis tu peux te concentrer sur tes affaires, sur ton business en ligne, sans devoir te préoccuper de faire des entrées, des sorties et à mettre en place un montage compliqué. Ouais, pour la petite anecdote aussi, ce que j'aime avec Romain, voilà, c'est rapide, c'est clair, c'est efficace. Et il a l'appartement juste en face de chez moi. Donc du coup, c'est comme ce que j'enseigne moi un petit peu dans les autres investissements que je réalise. Ah voilà, investissez là aussi. Les gens qui vous le conseillent investissent leur propre argent. C'est aussi bête que ça. Mais en tout cas, on va faire de nouvelles apparitions dans le futur. Et dernière chose aussi que je voulais souligner, donc je suis millionnaire internet et je démarre petit dans l'immobilier. Je suis débutant, ayez toujours ça en tête, cette humilité entre guillemets, parce que je ne vais pas me lancer dans un immeuble de rapport alors que je n'ai jamais investi de ma vie. Et autre chose, peut-être que vous posez cette question, vous dites mais pourquoi vous n'avez pas fait du crédit immobilier? Donc la première raison, quand on est à l'étranger, il faut un petit peu de temps d'avoir l'historique de sa société. Absolument. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième chose, c'est que moi, en l'occurrence, voilà, je suis millionnaire. Donc du coup, je n'ai pas envie de m'embêter avec des crédits bancaires juste pour 52 000 euros. Évidemment, plus tard, je vais aller voir des banques pour faire un crédit 500 000, voire même peut-être pas 500 000, mais 1 million d'euros. Mais j'aurai de l'expérience dans l'immobilier, donc ça sera pour du gros. Si j'étais débutant, j'avais 0 euro en poche, évidemment que j'aurais été voir une banque. Mais c'est pour vraiment vous donner toutes les finalités par rapport à ça, parce que peut-être que vous dites, mais pourquoi tu n'as pas fait un crédit? Donc voilà, tout simplement, c'est qu'on était également, excuse-moi de te couper, on était également en compétition avec plusieurs acheteurs. Donc, si tu avais fait une demande d'emprunt, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Toi, tu es arrivé. Et j'aurais pas signé le vendredi en ayant visité le lundi. C'est exactement ça. On a payé cash et ça nous a permis de passer d'autres personnes intéressées et qui avaient, eux, une demande d'emprunt en cours et qui n'ont pas pu aboutir à cause de ça. Donc, nous, ce qu'on a eu l'occasion de faire, c'est d'acheter les 2 meilleurs appartements à plus forte rentabilité au dernier étage, avec la meilleure luminosité, la meilleure exposition, la meilleure répartition de l'espace. Et on est passé devant tout le monde parce qu'on a aligné du cash sur la table. Et façon de parler, puisqu'on a fait un virement. Mais en somme, voilà, ça nous a permis de se positionner en premier et d'appuyer sur le bouton. Puis toi, tu seras la semaine prochaine en France. Tu n'as pas nécessairement le temps de perdre du temps avec des allers-retours entre la banque, etc. etc. Donc pour moi, c'est une première qu'une personne achète un bien immobilier en 5 jours, montre en main, en pleine légalité, c'est du jamais vu. Donc, bravo. Donc souvenez-vous de cela, la promesse de l'Estonie signée en 4 ou 5 jours chrono, hein, c'est ce que j'ai pu faire personnellement. Et 2 petites précisions que je voulais aussi évoquer par rapport à ce pays. 1, c'est l'euro, donc ça c'est cool vis-à-vis du taux de change, c'est pour ça que par rapport à la rentabilité, c'est très simple à calculer. 2, tout le monde parle anglais ici, donc certes les contrats sont en estonien, mais tout est fait également en anglais. Donc vous pouvez, si vous avez, avec ma société, donc je suis à la banque Swedbank, en l'espace d'une heure, le virement a été réalisé et était sur le compte du notaire pour ensuite faire la répartition. Donc promoteur, banque et personnellement, ensuite on a eu dans la foulée la remise des clés juste après la signature du contrat. Comme du papier à musique. Je pense qu'on a tout dit. Est-ce que tu as 2-3 précisions encore à rajouter je pense que si vous avez des questions ou si vous dites mais c'est génial l'Estonie, dites-le, faites un petit bouton like et puis n'hésitez pas à laisser votre feedback. Peut-être que vous avez déjà investi,
en Estonie ou alors dans l'Europe de l'Est. Ça pourrait être intéressant d'avoir votre feedback. Et bah, écoute, bon, on a dégrossi le terrain. Merci Romain une nouvelle fois et un plaisir dans les prochains mois pour d'autres investissements. Voilà, vous en faites un. En tout cas, moi, c'est ma philosophie, j'en fais un. J'attends un petit peu que tout soit en place. Dès que tout s'est bien passé comme prévu, je vais en faire un deuxième, ainsi de suite, et jusqu'à être un millionnaire immobilier comme d'autres personnes sur Internet. À suivre très rapidement, les semblables s'attirent. Merci d'avoir merci Romain à dupliquer. On se dit à très vite. N'hésitez pas à entrer également en contact et bon, on vous aidera sur toute question que vous pourriez avoir à propos de l'Estonie. C'est un pays fascinant. À bientôt. À bientôt.